Bonjour à tous, nous voilà revenus avec nos petites saucisses de False Guy. Et on va continuer, on va faire nos petites épreuves. Alors c'est l'épreuve des portes qui se... Alors certaines portes se défoncent, certaines sont des murs. Et on rebondit dedans, donc on va voir si on a un peu plus de chance. Donc, comme toujours, la technique. On suit les autres, on attend qu'ils ouvrent les portes. Alors moi je suis... Au milieu, en orange, je me suis mis en orange, vous voyez bien. Allez, c'est parti. Allez. Alors, on attend un petit peu. Hop, c'est bon. Au milieu. Hop. Alors, évidemment, sur le pouce, sur le pouce. Alors, là, je me suis fait accrocher dans le coin. Là. Allez, on va se rattraper là. Normalement, ça se présente pas trop mal. Je pense que je devrais être qualifié. Je suis dans les premiers. Les portes elles sont toutes devant moi, donc c'est parfait. Allez, hop, il n'y a plus qu'une. Alors il y en a une sur trois seulement. Aïe, j'ai pris le risque. Je pouvais, hein, j'avais de la marge. Allez, on y va. On va faire un petit saut de la mort. Alors, on peut s'amuser pour embêter les copains à côté. On peut les accrocher puis les empêcher de passer la ligne. Il y a certains qui s'amusent à faire ça. Donc c'est amusant à faire, c'est moins drôle quand on est à la limite des qualifiés. Donc on a passé haut la main cette série, donc effectivement il faut pas foncer sur les portes, hein, faut attendre que d'autres le fassent. La première série de disqualifiés a eu lieu, il y en a eu 17 de d'éliminés en tout. Alors là, surprise de la prochaine épreuve. On va voir, on va voir. C'est un peu long, c'est un peu long, c'est un peu long. Ça va venir. Allez. Alors, nous allons voir. Ah, le tonneau. Alors ça, c'est sympa, c'est pas dur. Sauf que j'y arrive pas à chaque fois. Alors là, en fait, faut tenir le plus longtemps possible. Il y a un chrono. Non, il n'y a pas de chrono. Je crois qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'éliminés. La partie s'arrête quand il y a un certain nombre d'éliminés. Donc je pense que c'est 15 à peu près. Voilà, 10, il faut 17 éliminés. Donc le but, ça va être de tenir le plus longtemps possible sur le tonneau. Alors évidemment, chaque tonneau tourne d'un côté et il y a des pièges. Voilà, hop, voilà, puis lui il m'empêche de passer, voilà, donc là on va rester qu'un moment. Voilà, là on va se mettre, non là on va éviter, hop. Il est pas facile celui-là, il y a des trous partout. Oh là, j'étais un peu chaud là. C'est déjà 12 éliminés, donc là il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Faut tenir bon. Faut pas se faire pousser par les petits copains. Il y en a qui sont pas sympas. Qui jettent les autres. Celui-là, il m'a l'air d'être bien complet. Oh, lui, il m'a accroché. Oh, le cochon. Lui, là, il m'en veut. Là. Voilà, c'est bon. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que je fais moi? Oh là, tous ceux qui restent, ils sont bons. Oh là, je suis tombé. Allez, plus que 3 éliminés là. Oh, c'est bon. Et c'est la première fois que j'arrive au troisième niveau. Elle était sympa cette petite manche là, j'avais jamais gagné. Et là j'ai réussi. Faut pas faire de bêtises, hein. Faut être concentré. Première fois que je passe le troisième niveau, on n'est plus que 25 qualifiés sur 60. Ça fait 24 heures que j'ai le jeu. Et je m'améliore. Je m'améliore petit à petit. J'évite de faire toutes les erreurs. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Le club des sauts. Faut sauter au-dessus de la poutre rotative et ne pas tomber dans le mucus. Ah d'accord, donc pareil, ça doit être éliminatoire. Alors il y a deux poutres, une en bas, une en haut. Alors celle d'en bas, je sais qu'on peut sauter dessus. Celle d'en haut, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour l'éviter. Alors en fait, moi je tourne avec. Et là il faut 10 éliminer. Et il me jette, il m'a accroché lui. Et il a cherché à me jeter. Tiens lui, je m'accroche à lui. Tout le monde tient bon. Alors je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle va de plus en plus vite.
Oula, oula, oula. Ah, voilà, c'est foutu. J'ai sauté, j'aurais dû aller dans l'autre sens en fait. Donc c'est une expérience à retenir, ce sera pour la prochaine fois. Bon bah voilà, je suis éliminé. C'est dommage, hein, si j'avais passé, on serait resté, on serait plus que 15. Alors, en attendant, je pense qu'on peut ouvrir les autres. Voilà, manche terminée. Et voilà, 11,55 c'est moi. Au revoir tout le monde. C'est dommage, hein. Il en restait plus que... Oh, on était que... Il en fallait 4 d'éliminer seulement. C'est dommage. Bon bah au revoir à tous, à la prochaine.